Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur WW19, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous remercie, et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais plutôt dimanche, hein, le lendemain que cette vidéo arrivera, samedi, la nuit de dimanche à lundi, il y a le pay-per-view Money in the Bank, et cette fois-ci, on va faire le combat qui oppose Roman Reigns contre Elias. On est parti, n'oubliez pas les petits loups, le petit like en début de vidéo qui fait toujours plaisir et qui mange pas de pain, et de pronostiquer le combat qui aura lieu ce soir et durant cette vidéo, let's go! Ils se ressemblent quand même pas mal, je trouve, Roman Reigns et Elias, du moins t'es sur les images là. Tu fais une petite barbe un peu plus fine ou tu lui mets un bouc, tu lui rases un petit peu la barbe, et ça va, on dirait des frères, ou des cousins, ou ce que tu veux. J'ai pris Elias, je vais l'appeler Elias, parce que quand je dis Elias, on me dit qu'on le dit pas comme ça, bref, c'est pas grave. Elias, je vais pronostiquer, pour moi il va remporter ce match, ou je l'espère, c'est pas que je suis contre Roman Reigns ou quoi que ce soit, hein. Mais c'est juste, voilà, faites-le gagner un petit peu. Ne l'utilisez pas comme un sorte de bouffon qui est là pour faire de la musique, et il est pas mauvais en plus. Oh, je vais me faire défoncer là dès le début. Oh, là, ça commence très mal, j'ai oublié que Roman Reigns est overboosté, attention. Oh, ouais, le spear, ça va pas du tout. On a mal, on souffre. Non, Roman Reigns, arrête, calme-toi. 1, 2, et simplement 2. C'est un match quasi impossible. J'ai pas fait attention qu'il dévore une différence entre les deux. Énormissime, monumentale pour qu'on le fasse défoncer comme ça. Mais c'est pas grave. Par contre, oui, faites en sorte que je puisse contrer un moment, parce que voilà. Si je peux pas contrer, si je peux rien faire du tout. Bon, là, j'aurais peut-être pu, mais. Ah ouais, il m'a donné 3 coups depuis le début, et je suis déjà à sec. Ça va être compliqué les petits loups, vite. Non mais je voulais faire ça vite fait pour qu'il récupère. Voilà, montre-lui un petit peu c'est qui le patron. Je le sens mal, mais c'est pas grave. Je le sens mal, mais on va réussir. Après on peut très bien faire un tomber à l'extérieur, hein. Mais je suis pas comme ça. Vous connaissez, en plus, même endurance, je suis raplapla, raploplo, c'est pas compliqué, je vais le défoncer quand même. Allez, concentration ultime. Allez, fais le jeter par-dessus la troisième corde. Alors, on a peur? Je te comprends. Non. Vas-y. Voilà. Récupère un peu. En fait, ouais, entre guillemets, le déficit qu'on peut avoir, c'est du début jusqu'à la fin. C'est pas un moment, il va s'enlever. Ah ouais. Et en plus, lui, enfin, nous on a un déficit et lui il a tout l'inverse. Mais c'est pas grave, on va se battre. C'est vrai que les pronostics veulent ça. Hein. Que. Tu pensais faire quoi là, hein? Me faire un petit spear? Aïe. D'un coup, il a un spécial. C'est pas un souci, tu vas voir. En fait, j'ai l'impression de me battre. Mais que je sais pas, c'est un peu comme le combat de Braun Strowman que tu peux avoir au début du jeu, dans le mode carrière. Tu peux le gagner, hein, mais il faut vraiment. C'est compliqué, quoi. Mais c'est pas grave. Avec un peu de fourberie, on peut rendre ce match un peu plus complet, voilà, on verra. Tu te calmes, d'accord? Non. Ah. Enfin, quand on a les vrais combats, il faut des fois s'échapper. Tu l'as pas vu dire celle-là, t'es dégoûté. Bon, je provoque. Il a tout de même. Il a combien? Ouais, il a deux finishers. Ouh! Oh, ça fait mal ça. Oh là là. Non, fais pas ton spear, s'il te plaît. Non. En plus, t'es même pas au coin là. Arrête, Roman. Roman, je vais t'arrêter. Je t'ai dit, t'arrêtes maintenant. Ça rebrique pas ça. Il se relève quand même. Aïe, j'ai mal. Ouf, elle s'est même retournée. Mais avec quiche qu'il y a. Reste au sol, s'il te plaît. Allez, déplace-le. C'est lui qui est dans le mal. Chut, dites rien. Attention. Allez, il faut tenter. À un moment, ça peut passer. Sur une embrouille. C'est dommage. On n'est pas loin. T'inquiète. Sur une embrouille, ça va fonctionner, je vous le dis. Faut juste faire gaffe. Ça, je suis pas forcément d'accord.
Tant qu'on contre bien, on a toutes nos chances. Ah, désolé, je parle, je commente assez bizarrement, parce que là, je joue un peu ma vie. J'ai l'impression de... Là, je joue ma vie, dès le début, on s'est fait éclater déjà. Mais si on gagne ce combat, franchement, ce sera un des plus difficiles. Comme les matchs qu'on a pu avoir des fois avec, des Kalisto contre Braun Strowman. Parce que le différent de gabarit est tellement énorme. Oh. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On était devant. On a fait le coup. Non. Juste pas de finisher, s'il te plaît. Juste pas de finisher. Je te demande juste ça. Sois cool avec moi. Et toi, je suis en train de cracher mes tripes par terre. Enfin, sur le ring. Ah ouais. T'as aucune pitié, Roman. Hein. Ah, t'en as aucune considération envers ceux qui ont des cheveux comme toi. Aïe, 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 par-dessus la troisième corde. En plus, je peux même pas utiliser mes atouts. Ça me saoule. I need help. Voilà. Non. On l'est déjà gris. Mais on va pas le laisser faire. Tiens. On essaye ce qu'on peut, mais nous n'y arrivons pas. Ah, ça c'est compris ça. Bien joué mon petit Elias. Ah, je pensais que ça passerait celui-là. Ouais, mais s'il te plaît, Roman, on a besoin de remonter sur le ring là. On a besoin de remonter sur le ring. Ah ouais. Monsieur l'arbitre, comptez doucement s'il vous plaît. En plus, il se met juste derrière, tu vois. Non. Ça va. Attends. Ouais, charge ton arme et tout, c'est bon. Attends, je t'ai dit, mais... Laisse-moi me reposer, regarde, je me prends moi-même la table. Je me suis moi-même pris la table. Je me suis pris la table moi-même. Ça prouve à quel point mon état psychiatrique, psychologique, physique, ce que tu veux, va mal. Je vais mal. Le peuple va mal. Ma tête va mal aussi. Mais tu verras. À force. Nous y arriverons. Bon, oh, d'accord. Ah. Voilà. Elias en sang. Alex arrive. Voilà, retour sur le ring. Ah, tu veux que je revienne? Ok. Ok. Bon. Superman Punch. Ah, dès le début, hein, il a dit... Oh non. Ah, c'est dommage. C'est son Superman Punch qui nous a mis à terre. Bon, vous m'en voudrez pas d'avoir perdu. À part les fans de Roman Reigns qui sont super contents. C'est que le match était très compliqué à gérer. J'ai fait aussi bien que je le pouvais. Sauf que c'était limite perdu d'avance. On aurait pu, hein, peut-être qu'un jour je ferai une revanche. Ça pourrait être très intéressant de voir comment ça pourrait se passer. Et puis sinon, bah moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. In fact, I've almost forgotten it happened already. Roman Reigns wins here in impressive fashion. That's a big win right there. Anytime you can pin another WWE competitor's shoulders to the mat for the 3 count, you should be proud. That match certainly lived up to the expectations of what you would see here at Money in the Bank.